Here, you can talk to me. Say, je suis con. Je suis trop con. Ouais. Bonjour à tous, Jonas pour Desserteaux France, je suis toujours à la EGL7, mais aujourd'hui nous sommes dimanche, et donc là on est plutôt en fin de tournoi, et je suis avec Gotaga des Mythix.pmp qui va nous parler un petit peu de son tournoi. Bon déjà Gotaga, même si je pense que beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo te connaissent, tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Gotaga, je suis un joueur compétitif depuis 4 ans, depuis le début de mon Warfare 2,
Je représente actuellement les Mythics et là on est venu en pick-up avec Daredevil et Carnage qui sont chez les PMP. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bon alors, vous avez eu un tournoi assez difficile, le tournoi vient de se terminer, vous finissez, c'est donc top 13-16. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans votre bracket ? Bah en fait, on est arrivé avec un bon seed quand même, seed 8. Malheureusement, on est tombé contre les Fiers dès le premier match. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, à chaque fois qu'on joue un tournoi UK, on tombe toujours avec des brackets voilà, de merde, faut le dire. On n'a pas de chance sur ça. Donc directement, bah, c'est une équipe américaine, on a 4 jours de scrim ensemble. Forcément, on n'allait pas faire quelque chose de ouf contre eux, ils nous ont mis 2-0. Et puis bah, par la suite, on a réussi au loser bracket à remonter, à battre pas mal de bonnes équipes. Pas des tops, malheureusement, on n'a pas eu le temps de les jouer. Mais pas mal de bonnes équipes, comme l'Enigma qui ont fini top 2 à la dernière EGL. Ensuite, il y a eu la Team Phantom. Qui ont fait un très bon résultat contre TCN, il me semble. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça a été notre match le plus dur après les Fiers, et par la suite, on a joué bah, ceux qui vous ont éliminé les Horizons. Qu'on a, bah, franchement, je pense que je m'attendais à un match beaucoup plus serré. Bah, c'est au vu un de... bon match contre Toxic aussi. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit ça va être un match très dur. Et au final, on leur a complètement roulé dessus, que ce soit en CTF ou en recherche. Donc voilà, puis après on a rencontré les Fiers encore une fois avec 2 maps d'avance. Puis bah, ils ont juste eu à mettre 2 maps et puis ils ont gagné tout simplement. On faisait pas le poids. Bon, alors on a compris qu'il y avait un petit peu de dépit et que vous avez pas eu un bracket facile. Néanmoins, vous étiez venu en pick-up, vous attendiez, vous aviez pas non plus des objectifs incroyables, j'imagine. Même si vous auriez aimé faire un meilleur résultat, est-ce que tu arrives à garder des enseignements positifs de cet événement tout de même ? Bah, des enseignements pas trop, enfin, comment dire ? Même si on n'avait pas forcément un team play ou quoi que ce soit, on voulait vraiment comparer notre niveau par rapport au top EU. Et on s'est fait éliminer par une team américaine. Les seules équipes européennes qu'on a jouées, on les a gagnées. Donc on peut pas trop savoir, enfin évaluer notre niveau par rapport à eux. Mais bon voilà, c'est clair qu'on aurait eu un autre bracket. Parce que bon, faut dire ce qui est, tu regardes le bracket des Four Kings, ils sont en finale en ce moment. Ils n'ont pas eu le même bracket que de beaucoup d'autres équipes. Quoi. Bon alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer puisque vous étiez là en mix avec Daredevil et Carnage, qu'est-ce qui va se passer pour toi et Lohan en tant que Mythics ? Bon, on reste chez Mythics, de toute façon ça se passe super bien. Après, bon, faut savoir si Agony et Diablo vont revenir. S'ils reviennent, tant mieux, on peut se remettre à fond là-dedans. S'ils reviennent pas, bah, on va attendre, je pense, on va attendre. Et puis, bah, si au bout de quelques semaines, quelques mois, ils sont toujours pas là, bah, on prendra d'autres joueurs, je pense, et on continuera notre aventure. Tout. Bon alors, maintenant que cette EGL est fini, est-ce qu'on va te voir, quels sont les prochains événements que tu vas faire ? Peut-être la I46, 4Win, EGL 8 ? Si Diablo et Agony reviennent pour la I46, on fera la I46. Sinon, LAN français, je pense que je vais aller en pick-up. Et puis ouais, je vais en faire de plus en plus d'ailleurs parce que comme je t'ai dit, j'étais un peu déçu des LAN européennes là du coup parce que ça fait 3-4 fois d'affilée qu'on tombe sur un bracket de ouf. Donc ouais, je pense que je vais aller de plus en plus sur LAN français, je pense que je serai à la 4Win, à celle à Montpellier. Et puis bah s'il y en a d'autres, j'y serai aussi quoi. Ça marche, bah merci de ton temps pour cette interview, je te laisse le mot de la fin. Bah merci à Mythics qui nous a envoyé ici malgré le résultat pas forcément. Comment dirais-je ? Escompté. Voilà, escompté. Un petit shout-out à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent actuellement cette interview. Merci à toi d'ailleurs pour cette interview. Et puis, je félicite quand même les Origins qui ont fini devant nous. Ils ont eu un peu plus de chance pour le bracket, mais ils sont quand même bien tirés, franchement. Donc, bien joué à eux. Dommage pour la AZERTY. Ouais, dommage pour la AZERTY. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ça marche, et bah à bientôt.